Je suis Nicolas Dickinson de IRC, International Water and Sanitation Center. Et oui, je travaille sur toutes sortes de différents sujets, mais la plupart des choses sont autour de communication à IRC. Et ça a toujours quelque chose à faire avec oui, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Ouais. Et qu'est-ce que vous exposez exactement dans cette session de la Semaine mondiale de l'eau? Alors, oui, dans cette session, on fait plusieurs différentes activités. Alors, l'une des activités, c'est ce Water Cube. Et c'est un endroit où on fait ce genre de vidéos et on essaie d'attraper les conversations qui se passent ici et qu'on partage toutes les vues internationales. Et tout la connaissance qu'il y a ici et que souvent et c'est souvent pas partagé ou c'est partagé deux mois plus tard et les idées ont déjà changé. Alors on aimerait vraiment attraper les voix des gens maintenant et pas seulement les gens importants qu'on entend dans tous les colloques, mais vraiment les chercheurs, les gens qui normalement n'ont pas une voix. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire avec toutes ces vidéos, une fois collectées? Alors, en principe, on donne un bout de papier à tous les gens qui étaient interviewés. Et avec ce papier, ils ont des instructions comment partager cette vidéo. Alors, ils peuvent partager le lien pour la vidéo, mais ils peuvent aussi mettre la vidéo sur leur propre site en ligne. Et ils peuvent aussi télécharger la vidéo et après ça le partager avec, sur un CD par exemple ou dans une présentation dans leur propre pays parce qu'il n'y a pas d'internet partout. Et oui, ce Water Cube, ça utilise l'internet parce que c'est fort ici, mais on a envie que les idées vont plus loin que ça. Merci beaucoup et bonne suite. Merci.